Vida de Trubairis, une série documentaire sur le côté off de la création artistique. Dans ce nouvel épisode de Vida de Trubairis, je viens d'arriver au Maroc depuis, 24 heures, à Marrakech. Et donc, j'étais en route pour Tanger, qui est ma ville de naissance, où je voulais donc passer quelques temps. Mais quand même, donc arrivé à Marrakech pour des raisons d'avion aussi, qui étaient moins chères, etc., je me suis dit, vu que le Maroc est très grand et très beau, je vais faire un petit tour quand même sur deux, trois petits trucs à voir, même si je ne restais que 48 heures. Et donc, j'ai déjà réalisé trois clips dans un riad sur ces 48 heures. Enfin, c'était la folie, en fait, complètement la folie. C'est-à-dire que j'ai fait quatre clips en deux jours, en fait, deux jours et demi. Et en plus, il faisait la journée entre 40 et 45 degrés. Donc, Villa Majorelle, on traverse toute la Médina avec ma fille, à pied, plus d'une heure, parce qu'on était dans un coin excentré. Et donc, arrivé là-bas, j'avais comme objectif, en fait, de m'amuser avec mes bolas, donc de jonglerie, qui sont du même bleu que le bleu Majorelle. Bolas que j'avais déjà utilisé dans le clip Anima Infest, tourné en Piémont, mais là, c'était du noir et blanc. Donc je voulais que le bleu ressorte bien. Et alors bon, même si on est arrivé très très tôt, genre à l'ouverture, je sais plus, à 9h, il y avait déjà pas mal de touristes, donc c'était un gros challenge entre les gardiens, les surveillants, les touristes, de faire mes petits passages bolas, de tourner mon clip au milieu des gens, voilà. Et donc je vais vous montrer un petit peu ça, tout en étant dans des réflexions comme d'habitude, effervescentes, sur les différences culturelles. Petite vidéo, parce que je me pose un peu des questions sur la mentalité, on va dire, du bled. Puisque moi, en fait, je suis quand même d'origine corse et piémontaise. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Ok ? Eh bien, les mecs du bled, j'ai l'impression que quand ils voient que tu as envie de faire quelque chose, tu as envie, quoi. Tu dis ouais, j'ai envie, ils disent non. Et quand, par contre, tu dis non, c'est bon, j'ai pas envie, machin, là, ils te disent oui. Ok ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Il n'y a rien à faire, il faut que j'y retourne. Ce pays à l'heure du soleil et de l'oubli, c'est comme demander à un oiseau de passer sa vie en cage sous prétexte qu'il y a les chats. Voilà, j'avais une peine de cœur importante sur une communication difficile, même voire impossible, avec quelqu'un donc du Maghreb, rencontré en France. Et moi, du coup, j'allais au Maghreb en me disant, voilà, je vais peut-être comprendre des trucs. Et en fait, je comprenais qu'il y avait effectivement, dans les disputes qu'on m'avait pu avoir, des choses qui étaient quand même assez ancrées dans le culturel, ce qu'on appelle actuellement maintenant le transgénérationnel. Et ma fille m'a un petit peu aidée. Également, j'ai eu l'aide d'un touriste, sûrement asiatique. Alors, je ne sais pas s'il était chinois ou japonais. Je ne maîtrise pas assez bien. Peut-être quelqu'un qui regarde la vidéo pourra me le dire dans les commentaires. Je ne maîtrise pas assez bien la connaissance des pays asiatiques pour faire la différence. Peut-être même c'était coréen. Je ne sais pas. En tout cas, il était très gentil. Et quand il a vu les couleurs, ce que j'étais en train de faire, il était mort de rire. This is a video. Oh, beautiful. Oui, oui, madame. C'est artistique, c'est. Ah, oui, that's madame. Ok. Moment. I see. Yes. C'est comme ça. Oh. Voilà. Comme c'est bleu, Majorelle. Allez, hop. Alors voilà, puis sans vouloir faire ma belle, en plus donc de galérer à cause des touristes, de la chaleur, de la fatigue, puisque j'avais énormément tourné, voilà. Thank you. This is for a song. En fait, là, ça se voit un tout petit peu quand je me relève, mais je m'étais gravement blessée au ménisque, enfin gravement. Je boite, je pouvais pas, voilà, je boitais pas mal, je pouvais pas courir, voilà. Je suis restée blessée un petit moment et du coup, j'ai essayé de garder le sourire tout en ayant un petit peu mal à la jambe. Enfin bon, ça, c'est vraiment le côté off de la vie d'artiste. Songeuse,
voilà. La Villa Majorelle, en fait, donc c'est, pour ceux qui savent pas, une des maisons d'Yves Saint-Laurent qui a été très inspirée par le Maroc. Et ce que je retiens, c'est qu'il aimait bien à la fois les couleurs, tout ce qui était les épices. Et donc, dans le cadre donc de ce... Là, le clip, c'est uniquement dans les jardins, mais dans le cadre de cette visite, j'ai visité donc le musée où il parlait un petit peu des collections de couture, de haute couture qu'il a pu faire. Et c'est vrai qu'on sent une énorme influence... de l'art traditionnel marocain, des couleurs, des odeurs, comme pour moi d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, ça me fait un point commun avec Yves Saint-Laurent. Mais voilà, je pense que le Maroc est un pays vraiment magnifique et ça valait le coup de le traverser. Voilà, ça valait le coup de le traverser, même s'il y avait 45 degrés. Dans le bus qui donc m'a ensuite emmené à Agadir, Tarazout, où vous avez vu aussi le clip. Et donc, si on regarde les trucs dans l'ordre, vous aurez aussi bientôt le clip que j'ai tourné au Cap Spartel, donc à la pointe de l'Afrique, quand je suis allée à Tanger. Fais gaffe, ici, il y a une plante devant. Ouais. Et peut-être l'autre va là, après. Voilà, donc pour conclure, je laisse un petit peu les vidéos tourner pour que vous voyez à quel point voilà, c'était dense au niveau touriste, comme la chanson d'ailleurs le dit, puisque dans la chanson Les Chats, il y a une petite partie bande des touristes à terroristes, en référence un peu aux touristes du vieux Nice qui envahissent parfois à certains moments. Ben, la Villa Majorelle, c'est pareil. Et puis comme ça, vous voyez un peu l'ambiance avec ma fille, bon enfant. On s'est régalé à faire ce clip et j'espère qu'il vous plaira. Le making of. Tu mets pas ça dans le...